teach the people? Pardon me? If we could change the stop your share and I'll share. Beautiful. Yay! Okay. Hi everyone! Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente que vous soyez là. Je vais juste redémarrer le partage de ma page. Ici. Ouf. Donc, comme Alexa a mentionné, mon nom est Chantal Arrière, donc je suis vraiment contente. Je vois des figures que je reconnais. Oh, Isabelle, bonjour. Julie, Nathalie, je ne crois pas qu'on s'est présenté. Tammy non plus. Brittany, je ne suis pas certaine. Donc, parfois, il y a des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, mais je ne suis pas certaine. Peut-être tantôt, on jaserait. Étant donné qu'on est un petit groupe, je suis contente qu'on n'est pas nombreux. On va pouvoir jaser, puis échanger nos idées, puis ce que vous faites vous aussi. Donc, j'aimerais d'abord commencer par une reconnaissance du territoire. Donc, cette photo, c'est vraiment un endroit que je chéris énormément. C'est tout près de mon école. Donc, je suis sur les territoires non cédés des Anishinaabe. Et puis, cette eau que vous voyez, c'est un ruisseau qui va se rejoindre à Zibi, donc, qui est la rivière des Outaouais à Ottawa. Je viens de voir, Julie est en train de se brancher. Bonjour Julie, contente que tu sois là. Salut Julie, bonjour. Donc, si vous voulez prendre le temps, vous aussi à votre tour, de réfléchir à l'endroit où vous êtes situé présentement et peut-être prendre un moment et vous remercier pour laquelle, une raison pour laquelle vous êtes heureux d'être sur ces terres et pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire du document avant et vous allez un peu mieux comprendre d'où nous en sommes rendus. Et c'est un peu le parcours que vous allez peut-être vouloir faire vous aussi en tant qu'individu. Donc, Curiosité naturelle a été lancée en 2011. C'était un projet par l'école laboratoire d'Eric Jackman qui se retrouve à Toronto. Et puis, il voulait mettre en place Curiosité naturelle. Donc, l'apprentissage par enquête et la curiosité des enfants. Oh, merci de partager le territoire dont vous vous retrouvez. C'est une très bonne idée. Merci, Nathalie. S'il y a d'autres personnes qui veulent faire la reconnaissance en l'écrivant, je trouve que c'est une très belle idée. Merci, Nathalie, d'avoir pris l'initiative. Donc vraiment, c'était l'initiative et c'était vraiment de mettre en place l'apprentissage par enquête. Si on continue, donc la première édition, comme vous voyez, elle est ici en bas. J'ai mis celui en anglais, mais il y a eu aussi une édition en français. Donc, c'était vraiment une enquête environnementale avec un cadre d'apprentissage. Donc, on avait vraiment l'apprentissage par enquête, l'apprentissage expérience, l'apprentissage intégré et l'intertendance, exactement. Et puis, à un moment donné, ce document-là est tombé dans les mains d'un aîné Anishinaabe et il a été vraiment ému. Il a même dit qu'il en a pleuré parce qu'il réalisait qu'enfin, dans les écoles, on commençait à comprendre le cheminement qu'on avait besoin de faire pour vraiment intégrer les perspectives autochtones. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle que là, on a dit, bon, ben, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on ait un point de vue autochtone. Et c'est en 2014, grâce à des conversations avec les éducateurs de la Première Nation à Roland, des Seven Generations et de Rainy River DSB, qu'on a eu la chance de discuter et apprendre avec eux et apprendre d'eux de comment faire, de revoir la deuxième édition. Donc, puis aussi à ce même moment-là, on a aussi eu l'appel à l'action qui a été sorti en 2015, qui nous demandait aussi de réfléchir à la mise en œuvre dans nos programmes et nos ressources d'apprentissage, comment vraiment au niveau de l'éducation qu'on était redevable et on avait des actions à prendre. Donc, c'est un peu dans cet esprit que Curiosité naturelle est allé approcher d'autres gens. Donc, il y a eu un comité consultatif de différentes communautés. On a eu l'auteur Doug Anderson qui nous a vraiment guidés. Et puis, on a aussi les anciens auteurs qui ont aussi collaboré. Donc, le document comme tel a été vraiment réfléchi. Et puis, c'est la deuxième édition que nous avons présentement. Je vais juste voir, il y a des gens. On va le mettre. Bonjour Daniel, bonjour Rachel. Donc, je suis en train de parler un peu de l'historique du document, mais après ça, on va vraiment commencer à discuter
de comment voir le cadre pédagogique. Donc, ici, vous avez le document qui était avant la Curiosité naturelle édition 1. Donc, comme j'avais mentionné tantôt, l'apprentissage par enquête, l'apprentissage par expérience, l'apprentissage intégré et l'intendance. Puis, on avait seulement un paragraphe qui parlait des perspectives autochtones. Donc, c'est un peu pour laquelle que là, nous, on a vraiment réfléchi à voir comment on pourrait, avec Doug Anderson, il a converti, pas converti, mais il a réfléchi à comment prendre l'apprentissage par enquête et mettre la perspective autochtone. Donc ici, c'est par exemple allumer le feu. Donc j'aurai la chance de passer à travers chacun d'eux et on va pouvoir en discuter aussi davantage. J'aimerais vraiment, étant donné qu'on est un petit groupe, vraiment vous donner la parole, donc on aura la chance d'en parler. Donc le premier exercice que j'aimerais faire avec vous, c'est prenez-vous un petit bout de papier et un crayon. Et rapidement, dessinez-moi un arbre. Et si vous pouvez allumer vos caméras, j'aimerais bien voir vos arbres, ça va m'aider. J'essaie de voir, désolée, j'essaie d'agrandir ma caméra. Mais... OK. Donc, rapidement, un arbre, c'est tout. Et maintenant, nous allons tourner la page. Et je vais vous inviter à vous asseoir et vraiment prendre le temps et réfléchir à un endroit où que vous aimez aller. Un arbre que vous aimez aller voir. Peut-être quand vous prenez votre marche, vous l'avez remarqué. Peut-être que c'est un arbre quand vous étiez petite. Donc, pensez à cet arbre-là et dessinez-le maintenant. Donc, je vous demande, puis vous pouvez ouvrir vos caméras, vous pouvez allumer votre micro ou écrire dans le clavardage. Que remarquez-vous entre les deux arbres que vous venez de dessiner? Est-ce que vous voyez? Faites un constat. Est-ce que vous remarquez une différence? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Donc, qui aimerait briser la glace et commencer à parler ou écrire? Un ou l'autre. Ah, quelqu'un a levé la main. J'ai la difficulté à vous repérer. Donc, si la personne qui a levé la main, allez-y, parlez, il n'y a pas de problème. Ah, Nathalie, vas-y. Est-ce que tu as accès à ton micro? Oui. OK. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui. Alors, quand tu as demandé de dessiner l'arbre, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai dessiné justement l'arbre qui était significatif pour moi. En 2018, j'ai pris un cours qui s'appelle Adventure Education avec Camosun College sur l'île de Vancouver et j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'enseigner en même temps que faire le cours, malgré que ce que je faisais était bien intéressant. Et souvent, je prenais du temps justement pour aller m'asseoir près de cet arbre puis lui donner un câlin puis on dirait que ça me redonnait un petit peu d'énergie. Alors, c'est cet arbre-là que j'ai dessiné. Merci de partager. J'étais reconnaissante envers cet arbre. Même s'il ne pouvait pas me parler, ça m'a apporté du réconfort. Merci de nous partager cette histoire. J'aime bien ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager la différence entre les dessins? Allez-y, parlez, parce que j'ai beaucoup de difficultés à vous repérer avec Zoom. Je suis habituée à travailler avec Google Meet. J'ai ma main levée, Isabelle. Mon premier arbre était comme plus simple. Puis quand tu as parlé de l'arbre de mes souvenirs, je l'ai fait comme beaucoup plus beau. Je ne sais pas si tu le vois un peu là.
Oui, ça ne paraît pas bien. Ah oui, on le voit. Il est bien rempli, l'écorce est belle, tu vois qu'il y a plus de travail, les racines, la terre qui est alentour. Le souvenir était là. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'aventurer, partager? N'hésitez pas à parler parce que, comme je vous dis, là, j'ai la difficulté à repérer s'il y a des mains levées ou une caméra allumée. Non? Bon, ben, pas de problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma page précédente. Donc, une des choses qui... cet exercice-là, c'est vraiment pour faire le constat que souvent, lorsqu'on va dessiner puis qu'on a pas d'attachement à un objet dans la nature, on ne va pas porter des détails, on ne va pas nécessairement, on va le dessiner rapidement, mais lorsque je vous ai dit vraiment placez-vous dans un contexte et qu'il y a un attachement à cet objet, à cet être humain, bien là, on va vraiment s'y attacher puis on va vouloir vraiment en prendre soin. Puis même un jour, si jamais on voit qu'il y a une petite marque X dessus, là, on va même vouloir le protéger. Donc, en prenant le temps de l'apprécier, bien, on développe cet amour et une affection envers l'objet. Et c'est ce qu'on veut travailler avec les enfants. On veut vraiment leur donner cette chance de vraiment se rapprocher du monde naturel, d'apprendre à l'aimer, de se sentir bien avant qu'on leur demande de blesser, penser des blessures. Ça me fait penser, cette citation-là, à chaque fois que je l'ai dit, ça me fait penser aux enfants qu'on dit dans les salles de classe de trier les déchets. C'est « Ah, mets ça dans le recyclage, mets ça dans la poubelle, mets ça au compost. » Là, on est en train de penser des blessures, mais l'enfant, il ne sait pas pourquoi qu'il va le faire. Mais si on prend le temps de lui expliquer qu'on va dans la nature, qu'on voit les déchets, puis là, il faut faire le triage et ramasser, il y a une connexion, et là, on est en train d'aller vers le cœur, puis ça va être beaucoup plus puissant. Donc, c'est un peu ce qui m'amène à vous parler de la première branche. Donc, si vous remarquez, les branches, il y en a quatre. Donc, on a la première qui est ici, l'enquête et participation, allumer le feu. Donc, je vais commencer par en parler. Puis on a j'ai oublié l'illustrateur qui a fait les images, mais je les aime beaucoup. Elles ont beaucoup de signification. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vois plus mon écran. Donc, la valeur Anishinaabe du Debin Wewin permet de mieux comprendre la notion de co-construction de connaissances et l'importance de respecter la diversité des idées dans un milieu d'apprentissage par enquête. Le Deb Wewin peut se traduire par connaissance à partir du cœur. Quand on aborde vraiment des connaissances à partir du cœur et de l'esprit, celles-ci ne peuvent être la propriété d'un simple individu. Le Deb Wewin peut aussi se traduire par parler avec son cœur. Donc, c'est un peu comme vous remarquez dans la photo, c'est vraiment un moment où on est en train d'allumer le feu, l'émerveillement, la connexion. Puis c'est un moment aussi qu'on va vouloir faire des cercles de connaissances pour que les élèves puissent vraiment discuter et partager leurs connaissances, mais aussi leurs questionnements. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter par rapport à cette valeur que malheureusement, je connais très peu, mais ça fait partie de la curiosité naturelle, donc j'aime beaucoup en parler, mais je ne sais pas si quelqu'un a l'expérience et voudrait en parler. Non, d'accord. Mais si jamais vous avez la chance que quelqu'un vous partage davantage, moi, je cherche quelqu'un qui m'explique ce morceau. Donc, je vais vous présenter cette petite vidéo. C'est pas très long. C'est juste pour vous montrer à un moment donné un enfant qui témoigne. Je vais agrandir mon écran. Est-ce que je suis... Si je fais ça, vous voyez. Vous voyez mon écran, oui? Vous voyez le garçon... les deux garçons? Oui, OK, parfait. Donc, c'est une vidéo qui a été faite dans ma classe, puis à la toute fin, un élève parle un peu de pourquoi qu'elle aime l'apprentissage par enquête, puis pourquoi qu'elle aime faire des cercles de connaissances. Je m'assois avec Naomi, des fois Edith, des fois quelqu'un d'autre. Des fois, on peut aller chercher des réponses. Et ça pourrait être dans des livres d'information, dans les vidéos, dans un livre. Ou même dans la tête des autres élèves. Des fois, quand je pose une question, un autre ami a une réponse, puis j'insiste à répondre à mes questions.
Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise que les enfants sont curieux et quand on leur laisse la chance de poser des questions, mais même entre eux vont trouver la réponse à ces questions. Donc, ça crée vraiment une belle communauté d'apprenants et ils font la co-construction des savoirs. Donc, c'est un peu ça ici que je voulais vous parler, c'est que quand on va dehors, c'est une des façons les plus faciles pour allumer le feu. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui vont faire de l'enseignement à l'extérieur, soit lire des histoires, soit jouer. Donc, c'est souvent ces moments-là qui sont précieux et que là, on voit vraiment l'émerveillement des enfants puis le questionnement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un... J'ai vu Nathalie faire signe de oui, fait que je ne sais pas si tu as la chance d'explorer ton milieu naturel et puis... Tu as observé la même chose? Est-ce que c'est comme ça? C'est pour ça que tu as réagi? Oui, étant donné que je n'ai pas toujours la chance d'aller à chaque semaine avec chaque groupe, je vais souvent justement aller avec la curiosité des élèves. Et c'est ça, quand un élève a une question ou il voit quelque chose, ben, l'attention se tourne vers là puis on en discute jusqu'à temps que. On n'a plus rien à discuter pour l'instant, puis là, on continue à marcher selon l'activité qu'on fait. Là. Mais souvent, on a eu de belles surprises. Un printemps, il y avait les serpents, les couleuvres qui sortaient de leur cachette pour prendre du soleil. Ça a donné qu'on arrivait là. On a vu un hibou une fois avec les élèves les plus vieux. Tu parlais d'allumer le feu. À force qu'on est allé plusieurs fois, ils se sont aperçus que les sentiers n'étaient pas utilisés de façon respectueuse. Il y avait beaucoup de déchets, des excréments de chiens que les gens ne ramassaient pas ou que c'était dans le plastique, des arbres avec des graffitis. Fait que j'enseigne aussi les arts. Fait que à la fin de l'année, ils ont été capables de choisir un des problèmes, puis ils ont fait un petit vidéo. En groupe de quatre, fait des vidéos, puis on avait le Festival des arts. Puis là, ben, on a montré les vidéos à l'école, pendant le Festival des arts, pour redonner à la communauté. C'est un peu ça. Wow. C'est un beau projet. Merci de l'avoir partagé. Je ne sais pas si d'autres personnes aimeraient partager, qui ont déjà vécu des moments magiques comme ça, d'être à l'extérieur et puis qu'on a de l'émerveillement qui a été avec des questions auprès des enfants. Non? D'accord. Donc, je vais aller à la... Ah oui, vas-y, Nathalie. Un autre projet, c'était avec la musique, où je leur avais dit ben, qu'au début, l'être humain n'avait pas de cours de musique, alors il s'est inspiré de quoi, vous pensez? On est allé dans la forêt, puis on a écouté les différents sons dans la nature. Puis après, ils pouvaient utiliser n'importe quel objet pour faire des sons, puis on a enregistré. Puis un de mes anciens élèves, une compagnie d'enregistrement, alors il a enregistré tout, il a fait comme un morceau de musique, il a intégré tous les sons que les élèves avaient faits, soit avec des cailloux, des branches dans l'eau, quoi que ce soit, pour avant avec les bouts d'herbe, puis ils ont intégré ça dans sa musique. Alors, ça, c'était vraiment intéressant aussi. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, parce que souvent dans les écoles, on dit souvent on n'a pas le matériel, on a besoin de telle chose et telle chose, mais la nature, elle nous offre toutes ces belles choses-là, donc c'est à nous d'aller la chercher. Merci. Donc, grâce à la méthode d'apprentissage par enquête, l'enseignante ou l'enseignant peut tirer parti de la curiosité spontanée de l'enfant et nourrir sa capacité à avoir l'appétit. Et c'est souvent ça, quand on apprend avec les mains, la tête et le cœur, l'apprentissage se fait et les élèves sont engagés. Et c'est souvent ça qu'on voit quand on fait l'apprentissage par enquête. Les élèves sont engagés, même ceux qui habituellement n'ont pas le goût d'apprendre, étant donné que c'est leur question, ils veulent être impliqués. Et on peut voir aussi, pour reformuler ce qui est énoncé la première édition de Curiosité naturelle, c'est quand on gagne le cœur et l'esprit de l'enfant, son apprentissage se fait tout seul. Donc, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Mais aussi, c'est ce que moi, j'ai vécu en tant qu'enseignante, c'est que ça m'a donné aussi le goût en tant qu'enseignante de lâcher prise et d'aller explorer le potentiel puis aller voir ce que les enfants voulaient faire. Donc, ça m'a donné une certaine liberté. Ça m'a donné confiance et puis là, on explorait, puis on allait faire les liens avec les curriculums. Puis ça a été vraiment un moment aha pour moi de voir comment je m'épanouissais aussi en tant que pédagogue dans cette approche. Donc, je ne la ferai pas jouer, mais c'est une histoire qu'on peut voir
avec un groupe d'enfants dans une école. Et puis, donc, je vais juste me rappeler, là, c'est le Mind Center Public School. Et puis, c'est une classe extérieure et on voit les enfants, la lumière est allumée. Ils ont un intérêt pour les oiseaux et puis ils veulent les aider. Donc, ils font leur recherche, voir qui est l'oiseau et comment ils pourraient en prendre soin. Donc, pour le prochain, donc celui de l'apprentissage, j'essaie juste de... Donc, l'apprentissage par l'expérience. Donc, c'est quand on regarde les choses du point de vue autochtone, on a amené à se demander comment faire pour approfondir les liens avec le lieu où on se trouve. Donc, c'est vraiment l'apprentissage par expérience. C'est un peu comme dire, OK, on va regarder le cycle de l'eau, mais on va le faire en salle de classe. Donc, pourquoi on n'irait pas sur le milieu, aller voir à l'endroit, voir quand l'eau va s'évaporer, quand la neige tombe, quand la pluie. Donc, vraiment, on veut être dans le milieu et aller voir vraiment ce qui se passe afin d'étendre ces racines-là et se questionner. Donc, on va vouloir que les enfants vivent. Je vais juste aller à la prochaine. Donc, on veut que les élèves vraiment soient avec leur sens. Donc, ils vont vivre en explorant avec leurs mains, le cœur, les yeux. Donc, tout est engagé au niveau sensoriel. Et puis, les sources d'information faisant autorité. Donc, ce n'est pas le seul vecteur. Donc, on n'a pas juste l'enseignante qui connaît tout, mais on a aussi des élèves qui connaissent la nature, peuvent partager l'expérience. Donc, on va vraiment de cette façon pour apprendre. Et puis aussi, il y a un va-et-vient. Donc, ça se peut qu'on se pose une question, qu'on va aller faire une expérience, qu'on va revenir, on va poser des questions. Donc, tout ce va-et-vient fait en sorte que l'apprentissage, elle est par expérience, puis elle est beaucoup plus pertinente. Ce sont des apprentissages authentiques. Je vais juste revenir. Donc, je peux juste vous présenter cette photo. On l'a vue tantôt, mais pour moi, ça a été un moment intéressant. C'est que à mon école, on avait ouvert l'école, ça faisait 6 mois et on a été en COVID tout de suite après. Mais de septembre à janvier, février, on allait visiter ce petit ruisseau avec les enfants. Et puis, en très peu de temps, les enfants se sont, par le cœur, ils ont vraiment développé un amour pour ces canards et ce milieu. Et lorsqu'on était en ligne, les enfants demandaient, « Madame, est-ce que les canards vont bien? » Madame, est-ce qu'on va les nourrir? Madame, est-ce qu'on en prend soin? Donc, on avait remarqué vraiment qu'on avait fait une enquête, mais que les enfants avaient développé cette relation avec les animaux aussi, qui leur donnaient des noms, le faisaient parler. Donc, ils racontaient beaucoup d'histoires, puis on avait trouvé ça vraiment, c'était touchant. Quelle heure est-il? Je ne veux pas non plus. Je pense que je vais prendre 2 minutes. Je vais vous montrer un petit bout de cette vidéo parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Donc, à Yellowknife, dans le Grand Nord, au territoire du Nord-Ouest, on a une enseignante. En fait, il y a un programme. Leur programme, c'est le Dene Kede. Donc, lorsqu'ils font la planification de leur curriculum, donc quand ils vont planifier pour faire un enseignement, ils sont obligés d'intégrer ce curriculum qui s'appelle le Dene Kede. Donc, donnez-moi un petit instant, j'essaie de couper. Okay. Donc, ici, on a, au début de la vidéo, elle est très longue, donc je ne vous présenterai pas tout, mais au début, on a des plus grands qui vont sur le territoire, vont sur la faire de la chasse dans un camp, et puis il y a un enseignement, il y a un aîné qui est présent. Donc, on a vraiment une expérience authentique à pêcher et à mesurer, prendre le poids, l'ouverture, il y a toutes les histoires aussi. Pour les plus jeunes, ce qu'on fait, c'est qu'on amène souvent l'élément de la nature en salle de classe pour le moment, lorsqu'ils sont petits. Donc, je vais vous montrer. J'aime beaucoup lorsque Jacqueline nous parle de comment elle fait l'apprentissage intégré. Attendez, je vais juste revenir un petit peu. Ça commence ici. Bon, c'est beau les sorties dehors, mais l'essentiel du programme se fait surtout en salle de classe, comme ici, avec un groupe de maternelle en immersion française. On va toucher, on va regarder. On va sentir, Alex, tu as raison. Ça fait 3 semaines qu'on étudie le poisson avec les 3 classes de la maternelle. À chaque semaine, on essaie de faire un projet plus intéressant. Cette semaine, on regarde une collection de poissons qu'on aurait pu trouver dans nos lacs ici pour comparer les poissons d'ici. Burbot, lot, scientific name, loda. En maternelle, il faut apprendre les couleurs. OK, c'est pas mal plat, étudier blanc, bleu, vert, violet. Mais si tu parles du poisson blanc ou l'inconnu, tu peux dire que sa bédaine est blanche. Pourquoi? Parce qu'elle doit se camoufler.
C'est les sciences, mais en même temps, on a appris la couleur blanc. Une sorte de découverte. Oh, une boule verte. Une boule verte. Oh, c'est toi, ça. Ou bien c'est rempli d'air. Puis là, le poisson peut monter à la surface et redescendre. Oh, désolé, j'ai fermé mon écran. Ah. Désolée. Bon, j'ai fermé une fenêtre de trop. Je me dépêche. OK, la voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, je vais continuer à parler en attendant que je réussisse à partager mon écran. Je vous cherche. J'aime tellement pas familière avec Zoom. Désolée. Je vais juste aller voir. Donc, c'est un peu ce que je voulais parler au niveau de l'apprentissage par expérience, comment on veut faire vivre des expériences aux enfants. Ce sont des situations authentiques, ce sont des situations où que l'enfant va davantage retenir l'information parce qu'il apprend avec ses mains, avec les odeurs, la vue, donc même l'odorat. J'arrive à l'écran, désolée. Donc, le prochain, c'est vraiment au niveau de faire les liens. J'arrive. Donc, les liens au niveau de l'intégration. Mais lorsqu'on va parler d'intégration, on ne peut pas nécessairement dire intégration des matières, mais on veut aussi parler de l'intégration au niveau de la communauté, des gens avec nous. Donc, on veut vraiment intégrer tout le monde. Mais les documents, les ressources, les connaissances. Donc, je vais commencer par d'abord vous expliquer qu'on a le document, si vous êtes en Ontario, donc on a le document ministériel de l'Ontario qui « Agir aujourd'hui, façonner demain », donc qui est une façon pour nous de parler de comment on peut intégrer au niveau des sciences, l'étude sociale, les arts, au niveau des concepts plus environnementaux. Mais on a, par exemple, ici, une des histoires que vous pouvez relire dans Curiosité naturelle, c'est comment moi, j'ai réussi à intégrer et avoir un flux de connaissances. Donc, on parlait de l'eau. Et puis, au début, on avait des expériences au niveau comment l'eau flotte, qu'est-ce qui coule, pourquoi que l'eau est importante. Après ça, on a parlé du schéma. Si vous regardez un petit peu plus bas, c'est la plante. Les élèves parlaient de le schéma, comment l'eau, les plantes ont besoin de l'eau et par où elles vont boire. Et puis, par la suite, on a utilisé le bassin des différents ruisseaux. J'oublie toujours le vrai terme, mais les élèves ont appris que lorsqu'on jetait, on plaçait un déchet par terre, mais ce déchet se retrouve par la suite à la rivière. Et cette expérience a été débutée à cause qu'un élève avait trouvé un déchet dans la cour d'école et il se demandait, il avait dit quelque chose comme... Ah, ça me frustre parce que les étudiants, je suis fâchée parce que les étudiants mettent toujours des déchets par terre parce qu'on est à côté de l'Université d'Ottawa. Et puis, l'élève disait toujours, mais si on a toujours des déchets par terre, ça s'en va où? Parce que le lendemain, le déchet n'était plus là. Donc, c'est un peu la raison pourquoi je voulais vivre cette expérience avec eux. Je ne sais pas si vous voulez partager, n'hésitez pas les questions, je ne vous vois plus. Je ne sais plus où vous êtes, où je trouve les deux. Ah, voilà, OK. Donc, les avantages de l'apprentissage intégré, donc souvent, il y a une meilleure compréhension, il y a une meilleure rétention. Parfois même que les élèves vont avoir une complexité dans l'information, il va avoir des liens. Donc, la connaissance, elle est beaucoup plus pertinente et l'enfant va pouvoir faire des liens avec d'autres domaines. Et c'est souvent ça qu'on veut, c'est que quand on fait des mathématiques, mais c'est pas juste quand on fait des mathématiques, mais si je suis en train de faire l'eau et je parle du cycle de l'eau, mais je vais peut-être vouloir mesurer la quantité d'eau, je vais vouloir voir la différence entre la neige et l'eau et la pluie. Donc, toute cette intégration fait en sorte que l'enfant apprend davantage et c'est beaucoup plus pertinent. Donc, lorsqu'on prend le temps de s'enraciner fermement dans le lieu, on fonde nos connaissances sur ce que l'on est vraiment et où l'on se trouve. Ces connaissances affluent ensuite de toutes parts pour guider notre vie et notre but commun.
Ce savoir est unifié dans sa diversité parce qu'il est notre vie. Donc, souvent, c'est une des choses que je réalise, c'est que dans la vie, si je vais à l'épicerie, mais je ne suis pas seulement en train de faire des mathématiques ou je ne suis pas seulement en train de faire du français, mais c'est un tout. Donc, je pense que les enfants ont besoin de voir ce tout-là aussi pour les aider. Puis c'est beaucoup plus facile pour eux d'apprendre que lorsqu'on travaille compartimenté par matière. Donc, le dernier qui est celui qui est vraiment au niveau de la perspective autochtone, pour moi, que j'affectionne énormément, c'est que les peuples autochtones accordent beaucoup d'importance à la réciprocité. Cette importance se manifeste dans leur pratique culturelle qui consiste à donner quand on doit recevoir quelque chose. Donc, la réciprocité n'est pas qu'une tendance culturelle. Ce n'est pas non plus une simple reconnaissance de l'importance de la symbiose et des écosystèmes. Donc, mais c'est une loi sacrée. Nous vivons dans un monde réciproque, rempli d'actes de réciprocité qui nous entourent et qui nous traversent en permanence. Donc, pour moi, quand je lis ce passage, ça me fait beaucoup penser à cette image qui a été qu'on voit souvent. C'est que souvent, l'être, l'humain, est au-dessus de la pyramide et les autres êtres sont inférieurs à nous, sont moins importants. Et puis, vous pouvez même voir au niveau des plantes, c'est les derniers. Mais si on veut vraiment penser en relation et cette réciprocité, c'est vraiment Robin Dahl Kimmerer, si vous voulez lire un livre, que j'ai mieux compris qu'est-ce que ça voulait vraiment dire être en relation et vivre de cette relation de réciprocité. C'est que l'humain fait partie d'un tout. On est tous ensemble et on est tous des frères et des sœurs et on est là pour s'entraider. Donc, souvent, les gens, lorsqu'on pense à l'intertendance, donc on veut sauver la planète, mais est-ce qu'on veut plutôt rentrer en relation avec la Terre? Donc, ce qu'elle peut me donner, mais moi, est-ce que je peux lui donner quelque chose? Donc, je ne peux pas toujours extraire les ressources, puis je ne peux pas toujours donner non plus. Parce que souvent, donner peut nuire. Puis c'est un des exemples que je trouve le plus banal, mais lorsqu'on dit « Ah, oh, je vais aller planter un arbre », mais est-ce qu'on a réfléchi à quel type d'arbre qui va aller aider cet endroit-là? Parce que si je plante un palmier, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Mais si je regarde autour et vois qu'est-ce que cet arbre pourrait contribuer à ce milieu-là, est-ce que l'arbre, cet endroit a besoin de l'ombre? Est-ce que cet endroit-là a besoin d'un abri pour les écureuils? Donc, pour vraiment réfléchir à tout. Et c'est ça qui est la beauté de lorsqu'on veut vraiment parler de respirer avec le monde et être en route vers la durabilité. Donc, si au lieu de se demander comment encourager l'intendance chez l'enfant, on se demande comment l'aider à se rapprocher du monde, à l'aimer et à chérir la réciprocité, on change complètement la donne. Donc, c'est un peu comme ça lorsqu'on pense à la curiosité naturelle et lorsqu'on veut faire nos enquêtes avec les élèves, c'est de trouver des façons qu'on peut faire réfléchir les élèves à entrer en relation avec cet endroit. Je vous cherche et je vous trouve pas. Ah, je trouve pas mal. Ah, est-ce que quelqu'un voudrait partager, aimerait discuter? Aïe, 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 j'ai de la difficulté. Il est quelle heure? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne veux pas trop m'attarder en ce moment, aller plus loin. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes trop sage. Et malheureusement, je ne vous vois plus. Je ne sais pas où est rendue ma caméra de... OK, bon, mais je vais continuer. Donc, comme je vous avais mentionné ici, si au lieu de demander aux enfants, on encourage l'interdépendance, une des choses que j'aime beaucoup, c'est par exemple à l'Université de Toronto, à Eric Jackman, lorsqu'ils ont réfléchi à cette relation, c'est qu'ils avaient créé un jardin devant l'école. Et ils avaient, au printemps, semé, en fait, à l'automne, ils avaient semé les fameuses tulipes. Et puis, ils ont eu les tulipes. Après ça, ils ont mis, je crois, des hostas, je crois. Et là, ils ont commencé à réfléchir à cette relation, ils se sont demandé, dire, bien, peut-être qu'on voudrait mettre les médecines des Premières Nations. Donc, ils ont semé du tabac, la sauge, l'herbe de foin, le foin d'odeur, et puis
Il m'en manque un. Le tabac, le sauge, les quatre médecines. Donc, désolé, j'ai un blanc de mémoire, mais c'était une façon pour eux de donner. Donc, s'il y avait quelqu'un qui visitait l'école, bien, ils pouvaient offrir la sauge à l'aîné ou au gardien de savoir ou tout simplement l'offrir en cadeau pour quelqu'un. Donc, ce qui est plus difficile dans l'apprentissage de la réciprocité est sans doute le plus gratifiant pour l'enseignante ou l'enseignant, l'élève et sa famille. C'est d'intégrer les pratiques d'apprentissage par l'expérience et par l'enquête à une stratégie de développement communautaire. Un peu comme Madame disait, lorsque les élèves sortaient à l'extérieur et puis qu'il y avait des déchets par terre, puis les élèves voulaient ramasser. Donc, elle avait parlé tantôt, Nathalie, d'un bel exemple. Un peu aussi comme mes élèves, même chose, les déchets. C'est souvent une des choses que les élèves vont reconnaître parce que c'est à la hauteur de leurs yeux. Si l'on associe la contribution au savoir communautaire aux notions de reconnaissance, de renaissance, pardon, et des responsabilités de la communauté et au principe selon lequel le monde entier fait partie de notre famille, cette contribution est amplifiée, voire décuplée, excusez. Que peut-on apprendre des concepts de communauté de la vision autochtone? Donc, c'est une question que je vous lance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient partager, mentionner. N'hésitez pas parce que moi, j'ai perdu vos caméras, donc je ne sais plus qui peut partager et qui. Ça va? Non, ça va? OK. Bon, bien, si vous voulez, je peux vous parler de ce projet. Donc, c'est un projet qui date. On ne fait pas mention des perspectives autochtones, mais lorsque vous l'observer davantage, vous allez comprendre qu'il y en a. Donc, ce sont des enfants qui se questionnent sur leur milieu scolaire et ils ont remarqué qu'il y a souvent des graffitis sur les murs. Il y a toutes sortes de problèmes lorsqu'ils se promènent dans les parcs et ils tentent de résoudre ces problèmes en se questionnant, mais aussi ils deviennent des agents de comme un peu les porteurs d'espoir parce qu'ils trouvent des solutions, ils vont à la ville, proposent des solutions à leurs problèmes et puis ça a vraiment un impact au niveau de la communauté. Donc, lorsqu'on parle de la réciprocité, c'est un peu ça, c'est que les enfants ils deviennent des agents, ils sont actifs dans leur démarche et puis ils peuvent voir des résultats concrets. Pour vous parler un petit peu de curiosité naturelle, donc vous allez voir que dans le document, il y a des histoires, donc je vous invite à les lire. Il y en a différentes selon les différents niveaux. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a aussi une dimension qui est importante à dire, c'est que le cheminement, on est toujours en cheminement. Les enseignants qui ont écrit dans les histoires, ont écrit leurs histoires, elles sont en réflexion, donc c'était un moment figé dans le temps en 2017-18, je crois. Donc, vous allez voir peut-être des pratiques qu'on ne ferait plus maintenant. En tout cas, il y a eu une évolution au niveau des savoirs des éducateurs. Donc, peut-être être juste reconnaître que ces gens-là il y a des choses qui ont peut-être été écrites, qu'on dit peut-être que ça devrait plus être fait, mais c'est un document en révision. C'est ça la beauté du document de curiosité naturelle. Et puis, vous avez aussi les histoires. C'est ça qui est la richesse du curiosité naturelle en français, c'est qu'on a des histoires aussi qui ont été traduites. Donc, on a plus d'histoires que celui en anglais parce qu'on a les histoires de nos consœurs et confrères dans les écoles anglophones. Et puis, si jamais vous voulez savoir d'autres informations sur curiosité naturelle, là, on a toutes les newsletters et tout ça. Donc, il y a aussi des formations à l'occasion d'autres webinaires. Pour ceux qui sont en Ontario, Curiosité naturelle est disponible sur la plateforme du EAV. Et puis, ce sont les écoles franco-ontariennes qui ont accès parce que c'est eux, ça a été un financement du ministère pour la traduction. Donc, c'est une façon qu'on a eu la chance de pouvoir avoir ce document français, c'est que le ministère a contribué et on va pouvoir l'utiliser dans nos écoles. Donc, je vais arrêter, comme ça je vais peut-être vous voir, parce que je veux vraiment répondre aux questions, j'ai parlé beaucoup, puis, ouais, l'Internet, OK, parfait. Moi, je veux vraiment répondre à vos questions, est-ce que vous avez des commentaires, des partages, on a un gros 15 minutes,
C'est difficile des fois aussi de faire une présentation quand on ne sait pas ce que les gens ont déjà lu le livre ou est-ce que les gens voulaient juste un aperçu, des exemples. Donc, n'hésitez pas, je vous écoute. Si je peux me permettre, nous à l'école, on l'a fait venir pour toutes les titulaires de classe. Là, ça, moi, des fois, le mercredi, je sors à l'extérieur si un titulaire veut aller. L'extérieur avec sa classe, bien là, moi, je peux aller. On a décidé à notre école de faire ça. C'est ça, il faut, avec le curriculum de la Colombie-Britannique, on doit apporter les perspectives autochtones. Fait que je trouvais que c'était vraiment bien. C'est vraiment un bon guide. On parlait aussi des activités comme pour les mathématiques. On a vu les figures géométriques. Les solides, ensuite, on leur a montré toutes les habitations à travers le Canada des Premières Nations, puis s'ils pouvaient reconnaître des formes géométriques. Puis après, on est allé dans la forêt, on a fait un tipi, puis on discute ben, où est-ce qu'on retrouverait un tipi ici, oui ou non. Et ensuite, ben, on leur permet d'aller faire des petites constructions miniatures. Là, ils peuvent en parler. Ça fait que c'est un des partages qui est bien passé. Mm-hmm. Une des choses que je trouve qui est beaucoup plus rassurant, c'est qu'on a de plus en plus de ressources aussi. Je sais qu'en Ontario, le Musée des sciences de mémoire ont créé des tutoriels ou des façons de faire des liens avec soit les tipis, soit les ceintures fléchées. Ça, c'est Ruth Betty, donc professeur à l'université, j'ai oublié, moi, en Ontario, mais elle a fait des leçons et puis elle a intégré des mathématiques au niveau de la ceinture fléchée, mais aussi les colliers avec les perles. Donc, il y a tellement de belles ressources que maintenant, on peut utiliser et observer. Et puis, souvent, on a peur d'introduire les perspectives autochtones. Donc, dites-vous toujours, est-ce que c'est un enseignement? Est-ce que c'est quelqu'un qui devrait prendre cette position-là? Donc, est-ce que c'est un partage qui devrait être fait par un gardien du savoir ou un aîné? Si vous répondez oui, tout de suite, arrêtez de... Ne faites pas ça, mais utilisez plutôt vos livres, utilisez plutôt les ressources qui sont déjà disponibles. Et au niveau des enseignements, les choses plus spirituelles, bien là, c'est vraiment demander un accompagnement pour guider. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager ou qui ont des questions. Oui, Julie, j'ai de la difficulté. Isabelle a discuté avec son Internet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à lire le livre? Est-ce qu'il y a des passages que vous avez appréciés? J'ai aussi, vous allez voir, lorsqu'on va vous partager le document, j'ai mis mon courriel. Donc, si jamais vous voulez communiquer avec moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Là, il n'y a pas de problème. Oh, j'ai vu. Oui, vas-y, Nathalie. Désolée, j'ai l'impression que je prends toute la place. Mais je viens d'acheter ces ressources-là. Oh. Ça parle d'appropriation culturelle, je ne sais pas si... Mais il y a la recherche d'eau potable parce qu'on connaît qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui n'ont pas d'eau potable, l'exploitation des femmes et des filles autochtones, le développement du système des réserves, la tradition orale, les pensionnats et le symbolisme dans l'art et la culture. Tu parlais tout à l'heure du dessin, puis le racisme et les stéréotypes. Alors, je viens tout juste de les recevoir, mais je voulais juste partager juste au cas que vous connaissez ce... Ouais. C'est une des choses que j'apprécie beaucoup de la Colombie-Britannique, c'est que vous êtes vraiment en train de mettre les perspectives au sein de tous les programmes et vraiment d'y réfléchir. Puis je pense qu'en Ontario, on s'en va, j'espère, vers ça aussi. Donc... Mais je sais que Curiosité naturelle nous aide beaucoup aussi pour mieux comprendre. Bien, tu parlais du livre de Robin Wall Kimmerer. Je l'ai lu aussi, puis c'est ça, c'est la façon qu'on a été élevé, la façon
que notre culture est, ben, on n'a pas écouté les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on est dans le dégât, qu'on est là. Alors, si tu regardes la façon avec la réciprocité des peuples autochtones et le respect de voir les autres êtres vivants comme nos égaux, ben, c'est de là que ça devrait partir. Ouais. Si on va avoir une chance, d'après moi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Une des choses que je ne suis pas très familière, mais j'en parle parfois, puis j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est celui de la vision des deux yeux que je pense qui est aussi intéressante. C'est par un aîné Mi'kmaq, puis là, j'ai oublié son nom, mais qui nous rappelle que lorsqu'on voit les choses, de toujours les voir de deux façons. Donc, tu sais, souvent, puis j'en parle souvent quand on fait le journal de la nature, parce que t'sais, dans le journal, souvent, on va vouloir mettre le mot latin. Donc, si j'ai dessiné une fraise, mais t'sais, il y a le mot latin, la mesure, les grandeurs, tout ça. Mais lorsqu'on lit avec Robin Kimmerer, quand elle parle de la fraise, elle nous parle de la patience, elle nous parle que c'est un fruit de l'amour parce qu'en le coupe, il y a le cœur. Donc, il y a des... C'est vraiment voir les choses autrement. Puis je pense que c'est ça, des fois, dans nos écoles, c'est important de voir les différentes façons, les différentes perspectives, oui, autochtones, mais peut-être si on a des enfants africains, on pourrait leur demander pour toi, qu'est-ce que représente tel objet ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça va être important de vraiment d'arrêter, mais on a cette perspective qui est très européenne, mais aussi d'intégrer les autres façons de voir qui seraient très enrichissantes et très riches. Ouais, parce que tous les premiers peuples à travers le monde, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, même s'il y a des différences, il y a beaucoup de choses qui sont, si tu parles des Bushmen dans le sud de l'Afrique, c'est on prend juste ce qu'on a besoin, on prend pas tout sur l'arbre, ainsi de suite. Ben, c'est là. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Comme ben, en fait, c'est la cueillette honorable qu'on a ici par les peuples Anishinaabe dans notre région qui nous parlent que c'est ça, je vais prendre seulement ce que j'ai besoin. Même avant, je partageais la vidéo, mais j'aime beaucoup. Elle dit, même avant de cueillir, je vais lui demander la permission. Après ça, je vais prendre seulement ce que j'ai besoin, puis je vais lui donner un cadeau en retour pour lui la remercier. Donc, oui, c'est vraiment... une belle relation, puis c'est ça, c'est de, comme on dit, c'est de voir ces êtres comme des frères et des sœurs, puis on va, à ce moment-là, vraiment être en relation avec eux, et notre façon d'agir sera différente. Ah! Merci beaucoup. Donc, Julie nous mentionne qu'il y a une conférence avec Ruth Betty. Ah oui, malheureusement, elle est très loin. J'ai essayé de m'inscrire, puis je pense qu'elle est très loin de moi. Donc, ce n'est pas à la porte, c'est Aurélia. Donc, elle va nous parler de comment intégrer les mathématiques au sein des différents, soit au niveau des, comme je disais, le bracelet, le tipi, tout ça. Merci beaucoup, Julie. C'est gentil de le partager. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres choses qu'il aimerait partager ou qu'ils ont vues? Une des choses que je ne vous ai pas parlé, là, mais je le partagerai dans le courriel que vous allez recevoir. C'est comme un parcours qu'on peut suivre au niveau de notre cheminement, au niveau de notre relation avec les premiers peuples, donc les Premières Nations, les Métis et Inuits. Et puis, ça nous positionne, puis ça nous donne des étapes à suivre. Donc, si on n'est pas au courant de ce qui s'est passé, bien là, on vous invite à aller voir telle vidéo. Après ça, on dit... en tout cas, il y a plusieurs étapes et je trouve ça intéressant parce que la dernière étape, c'est la réciprocité. Si on nous demande d'être en relation avec les peuples, avec les animaux. Donc, c'est vraiment le cheminement, mais en tant qu'individu. Mais je vois un beau lien avec notre curriculum et notre pratique pédagogique, je devrais plutôt dire. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si Julie, Tammy, Julie, Nathalie, si vous voulez ajouter quelque chose. Le temps est précieux, donc en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous.
Il y a un cours qui va s'offrir, je sais pas, j'essaie de regarder, je me suis inscrite, mais je me rappelle plus du nom, j'essaie de trouver. Four oui. Seasons of Reconciliation, qui va débuter, ça va du mois de février au mois de juin. Et tu peux, s'il y a 10 modules à suivre, tu peux faire à ton propre rythme. Ça semble être assez bien. Oui, moi je l'ai fait en français. Oui, je l'ai fait en français, puis c'était bien, mais c'était une auto-formation. Donc, je pense que ça va être encore plus riche de le faire avec Outdoor, c'est quoi, Outdoor Canada, je pense qu'on dit. C'est ça, Alexa, hein? C'est Outdoor Canada qui va présenter le Four Seasons of Reconciliation? Outdoor Learning Store. Outdoor Learning Store, OK, yeah. Mm-hmm. And they have it. Il y a des invités et tout, donc ça va être super intéressant. Et je pense que ça va être tout pour le moment. Je vous souhaite un beau parcours, puis n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous allez voir dans le courriel, j'ai mis les liens. Et puis, possiblement qu'on va ajouter d'autres ressources. On a partagé différentes choses, donc Alexa les a notées, puis on va pouvoir vous les partager. Oh, merci Tammy. Donc, vous vous retrouvez sur le... Ça, c'est en Ontario de mémoire, hein, le traité Robin Huron, je pense que oui. Bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Stop the recording now, too.